sedas lanjos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Ovdje sam u Lisabonu, u Portugalu. I nalazim se u domu Amalije Rodriguez. I upravo slušam njen fado. Nikada nisam verovala da ću Amaliju Rodriguez upoznati lično i imati tu priliku da sa njom razgovaram. Bonsoir, madame. Je suis une portugaise. C'est tout. Parce que plus c'est très triste, plus j'aime. Alors, je m'émotionne moi-même. C'est de l'émotion. Quand vous pensez de votre carrière, c'est une grande carrière. Ah, c'était Dieu. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas étudié. Rien. Rien de musique, ni une leçon. Non, rien. Alors, j'ai commencé à chanter. J'étais très jeune. Et les voisins, ils aimaient m'écouter. Alors, ils me disaient, chantez celle-là, celle-là. Alors, j'ai chanté pour tout le monde, les voisins. Et parce que je suis habitée dans un quartier très pauvre. Alors, il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Alors, moi, je les faisais pleurer. Et moi, ça me donnait quelque chose à moi aussi. Alors, ma carrière, c'était Dieu qui l'a fait. Parce que moi, je n'ai pas vécu un peu, pas né un petit peu. Parce que moi, je ne pensais pas être une fois une artiste. Merci beaucoup. Vous avez la chance. j'ai eu une carrière très formidable parce que d'ici, je suis allée à Paris. On m'a invité pour chanter une chanson dans un film, Les Amants du Tage. Alors, j'ai été là et j'ai chanté une chanson qui s'appelle Le Barco Negro, le bateau noir. Alors, cette chanson, elle m'a donné une carrière parce qu'elle était faite à Paris. Je suis très. Je voulais la guerre. Non, attends. La guerre pour ceux qui sont mauvais. Et c'est une chose que moi je sens. La télévision, elle est très.
beaucoup les fleurs. Ah, je sais ça. Tu voles les fleurs. Tu demandes premier, je demande. Regarde, Jean, j'appelle les gens. Tu peux. Oui, c'est tout.